croyez peut-être que nous sommes seuls dans l'univers, que ces milliards d'étoiles sont désertes. Ne croyez pas cela. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls. Quand tu m'appelles au téléphone, stupide petit garçon, ma tête résonne, frissonne, stupide petit garçon, stupide petit garçon. C'est une chanson que j'aimerais bien reprendre, j'ai toujours voulu reprendre cette chanson d'ici Paris. Quand tu m'appelles au téléphone, stupide petit garçon, ma tête résonne, frissonne, stupide petit garçon. À l'époque, nous, on nous mettait dans la case psychobilly, enfin, on était les crampes à la française, en gros, quoi. Si on... Attends, sous planète Terre, sous le rayon laser, vient le choc des deux univers. Yeah, 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 ici Paris. À cette époque, à la sortie du premier single, les Ramones nous avaient, en écoutant le single, ils nous avaient choisi pour ouvrir leur tournée européenne en 80, quoi. Je me souviens de Didi qui était très sympa, toujours un large sourire. Et je me rappelle aussi de Johnny qui était venu, je crois que c'était au dernier concert au Bataclan. Il était, pendant qu'on faisait la première partie, il nous écoutait sur le côté, quoi. Et file les étoiles, les vents du cosmos se gonfleront tes voiles. Le ciel reste vide, la comète qui te guide, t'éloigne-moi de moi. C'est un truc vraiment à part, qui aurait dû marcher, que pour moi c'est un des meilleurs groupes français qu'il y a eu, des années 80 et même en général, et le disque, c'est un des meilleurs disques de rock français de tous les temps, mais c'est bizarre, hein. C'est vraiment le rock'n'roll, pour moi c'est parfait, enfin, c'est tout ce qu'il y a de bien dans le rock'n'roll, et en France on préfère les trucs noirs, quoi. On a de chance pour vous aimer les trucs. En France le rock c'est un peu dark, quoi, tu vois, c'est pas pour rien que tous les groupes, il y a Noir Désir, les Béroyers Noirs, tu vois, il y a toujours, même nos Négras, il faut toujours qu'il y ait noir quelque part, quoi. Et... Ici, Paris, c'est pas noir du tout. Enfin, c'est le rock'n'roll, le vrai rock'n'roll. Marie, la première chanteuse, nous a laissé en cours de route parce que ça marchait pas comme elle voulait, quoi. Anissé, qui avait acheté l'album et qui était fan, elle, dans le même temps, me demandait de lui écrire des chansons, quoi. Alors, comme Marie n'était plus là, voilà, elle est venue à sa place. À l'époque, quand on a sorti « Maman, je veux plus aller à l'école », donc on avait produit le truc nous-mêmes, quoi, mais la maison de disques en question avait essayé de faire un mixage dans notre dos, en virant toutes les guitares, en foutant des espèces de synthés à la place, enfin, un truc horrible, quoi. Et Anissa a dit non, elle a menacé de se casser, donc ils ont sorti le truc tel qu'on le voulait, quoi. Mais ils nous ont dit « Les radios vous passeront pas », ce qui était vrai, quoi. Allez, à l'école, plus de trop, c'est ça, plus de trop.
à l'école. Nous, on a refusé ce que la maison de 10 nous proposait. Quoi. En gros, faites ce qu'on vous dit et on vous fera passer à la radio. Quoi. Et donc voilà, plus personne n'a voulu de nous après ça. Quoi. Anissé m'a parlé de reprendre le groupe, je vais dire, vers 2004, quelque chose comme ça. Quoi. J'ai repris une guitare à laquelle je n'avais pas touché depuis 15 ans. Je voyais les mômes d'Anissé, enfin des gens très jeunes qui recommençaient à écouter du rock'n'roll, et du vrai rock'n'roll. Je me suis mis à recomposer, mais le problème, c'est que quand j'ai apporté la première chanson à Anissé, elle apprenait qu'elle était malade, donc et elle est morte de cette maladie. Quoi. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé à Zadé, qui avait 18 ans à l'époque, hein, qui a été élevé dans le rock'n'roll, donc qui savait de quoi il s'agissait, si elle voulait bien prendre la suite de sa maman. Et voilà. Allume-moi, démarre-moi, fais-moi rougir. Prends-moi sous toi, démarre-moi, fais-moi venir. Ronronne-moi, câline-moi, butine-moi, emmouille-moi, embrasse-moi. Démarre-moi, fais-moi rugir. Voilà où on en est, elle a accepté, en amenant en plus des amis à elle, Géronimo le guitariste et puis Brice le bassiste. Quoi. Donc, mais voilà, on est un groupe mixte dans le sens deux anciens, très anciens avec de très jeunes gens. Quoi. Oui, si tu veux, on a repris la fusée de notre tour, oui, voilà, d'une certaine manière. Puisse-t-elle nous mener loin, n'est-ce pas, aux confins de l'univers.